laboratoire Frater Azès, c'est un laboratoire de production pharmaceutique et médicaments qui est actif depuis plus de 30 ans, 1992 exactement. Il a été fondé donc, par M. Cherfaoui. Et donc on a plusieurs aires thérapeutiques, 14 pour être précis. On fait la gamme injectable, donc des produits injectables pour les hôpitaux aussi, et la forme sèche. On fait également une gamme de santé naturelle, les compléments alimentaires, etc. Donc aujourd'hui on s'est déplacé au Sénégal avec l'équipe export, dans le but donc déjà de s'installer au Sénégal parce qu'on n'est pas encore présent. Mais également d'autres pays qui sont frontaliers. On a vu par exemple dans les stands qui se sont déplacés des personnes du Gabon, du Tchad, du Togo. Donc ça fait plaisir que tous les pays se déplacent ici dans ce forum. Donc c'est un forum réussi pour nous, on est très contents pour l'instant du déroulé. Comment on voit les choses, c'est que nous on veut vraiment s'installer en Afrique. Donc on ne se limite pas à quelques pays, on veut vraiment rentrer massivement dans l'Ouest Afrique. On a commencé déjà à bien s'installer du côté de la Libye et de la Mauritanie. Maintenant, on essaie de rentrer dans les pays de la zone Ouest Afrique. Alors, comme je vous ai dit, nous, on produit donc des médicaments de forme injectable et de forme sèche. On mise plutôt sur la gamme injectable pour l'export. Et voilà, on a aussi les compléments alimentaires. Et quelles sont les conditions d'exportation ? Donc les conditions d'exportation, donc on sait que donc, pour pouvoir exporter des médicaments dans les pays étrangers, il faut tout d'abord s'enregistrer. Donc ça peut être un processus assez long, ça dépend des pays, chacun a ses délais et ses conditions. Donc nous on a toute une équipe réglementaire pour préparer les dossiers, sur ce côté-là on est très bien préparé. ديزاد نيوز أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.